Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission ça qui c'est Café du soir que nous avons sur chaîne 22. Alors faut me dire nous bien que émission Café du soir non, c'est seul sur télévision Caraïbe que nous pour elle. Donc pas même besoin tenter virer chaîne non. Casser le cap. Casser le cap parce que c'est la feeling là, c'est la plaisir là, chaque semaine. Donc nous 6 animatrices qui prennent sur plateau ça. À tour de rôle, nous pouvons jouer 4, gagner 4 plats, gagner 4 plats des fois, mais à coup sûr, nous sommes là pour une bonne satisfaction, pour une bonne plaisir, pour une euphorie et pour une fond ramassée d'actualité semaine. Nous gagnons avec nous journée aujourd'hui, Diana Charles. Bonsoir mesdames, vraiment et content à ce soir dans le café du soir. Et monsieur que l'autre Diana Charles, là, mon cap dit la Lyonne. Donc, il me dit que oui, c'est moi, la Lyonne. Pas grand de changer. Même si bagaille là. Et puis, émission, son émission qui a continué à passer sous Télé-Caraïbes. Donc, faites brancher. Et nous avons plein de bagailles qui sont venues. Donc, restez branchés, je vais dire trop. Ange Belli, bonsoir. Bonsoir Diana, bonsoir tous les spectateurs Télé-Caraïbes. Bonsoir Myria, bonsoir Cynthia. Non, pas, nous connaissons déjà, c'est Ange Belli en doux. Non, pas vraiment qui te connaît. Donc, moi, je fais même bouchou pour vous présenter. Merci. Donc, Ange Belli en doux, là, pour tes plaisirs, joie, bonne humeur, la pétillante, la chaude, l'extravagance sur le plateau. Rien que pour votre plaisir, écrivain, actrice, artiste dans l'âme. Donc, je ne m'attendais pas, parce que bon monde, ça aussi bon mal parlant. Mais malgré tout, nous attendez qui ça vous va dire. Bonsoir, Cynthia. Je vais lire. Bonsoir. Non, là, pour de vrai, va tout faire. Moi, je suis Cynthia Jean-Louis et je suis très content avec nous sous plateau ça, entouré de mesdames. Nous avons Christina qui prend la avec nous tout, nous avons Florence qui prend la avec nous tout. Donc, son équipe tête chargée, une équipe qui prend nous satisfaction, je nous voulais l'un, je nous remets l'un. À tous les niveaux. Hein? Nous prenons parler de tous les bagailles. Et nous prenons faire tous les bagailles sur le plateau. Non, ou même. Nous prenons faire tous les bagailles sur le plateau. Mais on va. Vas-y, on va parler. Est-ce qu'on va causer? Donc, on va parler de tout. Pas de rien, on va parler de tout sur le plateau et c'est vraiment avec plaisir que et moi pral là pour m'animer et émission ça. Donc m'a profité pour me dire Myria qui va côté maintenant, bienvenue. Ça fait m'en finir moi. Non, ça c'est problème pas. Parce qu'au boel. Ah, enfin, en tout cas, en téléspectateur, moi très content et avec équipe ça, malgré le choix. Comment qu'elle est? OK. Nous sommes dans une zone qui bat café, donc c'est normal pour une émission de café du soir, forme de la donne. Et quand nous avons toutes mesdames et messieurs, nous allons parler de toutes les choses. Parlez-nous parce que nous avons pris, nous avons content, nous avons appris, nous avons pris les tout. Et nous allons garder la ria pour vous, nous allons garder tout ça que fait pour nous partager avant. Ça prend l'émission Paola. Nous n'avons pas besoin de plus parce que c'est ça le bralier. Nous pouvons après arriver. Oui, déjà branché. Branché. Quel que soit côté, c'est chercher onde parce que Café du soir, c'est pas l'émission. Oui, sur chaîne 22. Donc, pas loin, on a écouté Café du soir sous Radio Télévision Caraïbe. Je nous dis là, je nous connais déjà, émission Café du soir, mais c'est émission et côté que nous faisons revue de l'actualité, que nous passons certains faits en dérision, que nous disons ça nous penser. En fait, côté que différents et facettes société haïtienne, nous-mêmes nous traitons de yo, gens nous-mêmes nous conçoit, gens nous penser. Et nous gain pour nous recevoir, aujourd'hui on invité. On invité spécial, ouais, très spécial. Nous gagnons tout pour nous parler de Coupe du Monde, nous gagnons pour nous parler de Beyoncé, nous gagnons pour nous parler du feu et Leslie Maniga, ouais. et puis tout du feu. Le président, mais là on dit du feu, c'est comme si c'était du feu. On avait compris ça. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire de lui, est-ce qu'on va l'incinérer ou l'enterrer, on ne sait pas. Bon, en tout cas, il est feu.
et n'a parlé de tout bagaille ça yo et beaucoup plus encore. Nous connais nous n'a bien surprise pour nous comme à chaque comme à chaque semaine, mais avant nous t'aimer connait qui gens semaine pas nous en passé mesdames parce que faut que public là connait. Obligé de dire toute bagaille Cynthia. Oh. Non, 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 non. Parce que nous connaissons. Ok, ok. Je vais raccourcir avec plaisir. Moi, je vais la semaine avant. Nous avons fait 2 heures de temps pour arriver là. Nous, bon, ok, pas de problème. Moi-même, semaine, moi, t'es chargée, excitante, amusante, comme toujours. Et puis, bon, je n'ai pas besoin de dire que j'aurais été là, la rue, campé pour me signer un livre, signer un autographe à cause de ma musette énorme. Semaine, moi, j'ai été chargée en distribution de signatures. La semaine prochaine, il faut qu'il dise ça, que l'année prochaine, alors, prochain livre en folie, 21e édition, et il va le dévoiler nous live, que Samuel sera une femme. Non, ma muse est un homme, je l'assume, je l'affirme parce que j'aime les hommes. Diana, ton café. Le bon. Ta santé, enfin. Oui, oui. Cinquième sens. Semaine, moi, j'étais en forme et en pile activité. Pour pas de autographe, même de grammaire, autographe. Vocabulaire. Moi, 8 sur 10, okay. Donc c'est pas mal. Vous passez. Et puis, tu as une conférence que Myriad a participé là-dedans qui était très, très, très intéressante. C'était sur violence qui fait sous femme, parce que justement, il y a ces femmes. Et c'est généralement des cas de conflit. Donc, Myriad, c'était une panéliste. Elle était rencontrée. Elle a géré conflit ou elle était rencontrée conflit? Non, elle était rencontrée avec un général qui est le général Kiki, donc il n'y avait pas de conflit. Elle est très conflictuelle, Myriad, en tout cas. Ma semaine. Ou même quand elle dit ça? Tu es très conflictuelle. Ou même. Nous ne parlons pas de toi, donc chérie. Ah, ok. Nous ne parlons pas de toi, c'est sister M. Oui, rencontrée. En gros, c'était ça. Et que semaine notée, Myriad, par contre, où est-ce que. Myriad dit qu'à une certaine heure, dans la journée, tu étais le descendant. Il dit ça. Donc, on y a là, comme nous m'ont siffoué. C'est 48 ans, c'est un chitag. Nous, même, pas de problème, non. Écoute, je vais faire un petit bagage. Généralement, il faut que je toute la journée, on compte ça. Ouais. Vous allez ça. Je sais. Non, là, quand tu fais du là, il y a un petit campé. Si tu as un petit centimètre, pensez à moi parce que je vais mettre ton petit bagage encore. Je me suis dit que c'est pas mal. Je vais faire une opération, je vais pour me dire rien ne se perd. Je vais que c'est de la loi de la voisine. Tout se transforme. Tout se transmet. On va commencer la semaine. Toute la semaine. Levé, je garde la rue. On connaît parce qu'il faut nous. Il faut nous faire le métier, nous c'est journaliste. Donc, regardez ça qui a passé pour me. Journaliste, elle a bien dit. Oui, c'est ça, on a entendu. On continue. Et puis c'est ça. Donc, je vais écouter ça qui a fait. Et puis, en plus, mon guetta a dit nous, il y a un teaser qui a parlé de café du soir, ça lié encore. Bah, donc, tout le monde encore dans la télévision. Je me dis, mais pas de j'aime quitter la télévision. Parce que là, il y a son caméra lié, vous comprenez, tout Dieu sous vous. Vous comprenez? Donc, c'est ça lié, c'est sa semaine, mais c'était intéressant comme toujours. Okay. Et puis le livre folie qui était fait sous 2 jours, qui était plus fatigant mais qui était plus intéressant parce que bon, bah, attendez, j'ai décongestionné. Qu'est-ce que tu as gagné encore comme événement? Tu as gagné tout le monde. Tu dis ça, comment passer semaine nous? Parce que cette semaine, je vais réfléchir. Je pense tellement grand pile bagarre qui passe dans la semaine. Mais puis me gripper. Et puis si on résume, on te demande aussi. Ah, ok, mais atchoum. Bon. En tout cas, voilà, fini. Café du soir, c'est sur chaîne 22 et puis on va tourner tout de suite après. Pause là, à tout à l'heure. On tourne sur plateau, non, mesdames. Nous tournons sur plateau, on va suivre Café du soir, chaîne 22. Caraïbes, émission Paola, et puis je t'ai annoncé tout à l'heure, on a branché la Coupe du Monde. Même si nous ne sommes pas quatre filles, mais nous quand même au courant de Coupe du Monde. Non, c'est possible, on ne va pas qu'on a rien. Ok? Donc, nous pouvons parler de la partie Coupe du Monde, nous pouvons parler de folie qui gagne, nous pouvons parier, nous pouvons goûter, de vraiment l'extravagance que les gens font pour la simple Coupe du Monde. Ok? Nous pourrons parler tout de changement que ça a porté dans la vie nous. Nous pourrons parler, est-ce que nous-mêmes, mesdames, est-ce que vous regardez la Coupe du Monde là? Est-ce que vous n'avez pas regardé la Coupe du Monde là? Nous pourrons regarder tout avec Ange Belli, 10 plus belles garçons
qui gagne dans la Coupe du Monde. Ça. Parce que ça qui est intéressant. Ah ouais? Ça qui est intéressant. Tout le monde sérieux. Bah, t'es tout menti. Il va chercher nègre. Il va chercher nègre, les vieilles filles, ça y est. Puis j'ai pas parlé des garçons. Regardez pas si c'est pas fait. Les garçons parlent de la Coupe du Monde. Ok. Non, oh, bah, je me connais. Depuis nous fameuses. Depuis nous fameuses là. Depuis nous fameuses là. Nous fameuses de côté, oui. Vous êtes fameuses. Moi, j'aime la Coupe du Monde. Ah, mais là, c'est où? Ça, c'est où? Ça, c'est où? Moi-même, Coupe du Monde. Depuis nous fameuses là, moi-même, j'aime vraiment. La fameuse est une coupe. Attendez, le temps de trouver les informations qui étaient très importantes. Donc, et c'était 20e édition. Alors, c'est la 20e édition de la Coupe du Monde. Mm-hmm. Nous au courant de ça. Qui fête? Nous connaissons qui bol fête. Non, du Brésil. Au Brésil. Combien de stades? Je vais regarder pour une branche. 30 stades. Non. 28. Non. 12 stades. 12 stades. Ah, 12 stades. Oh. Nous connaît, est-ce que nous connaît que Coupe du Monde langue en yo gon ballon spécial que yo fait pour lui? Oui. Qui j'en relé? Le Brazuca. Quelle marque? Quelle compagnie qui m'accompagne? Adidas qui fait. Okay, bon, Adidas qui fait. Vrai, combien de pays qui participent à cette Coupe du Monde? 32. Ok, toujours. Ok, qui est la Coupe du Monde a commencé? Mesdames, nous là, oui, nous pas mal, non? Qui va le commencer? Le début, lui. En juin? Ok, mais quand est-ce, Osbeli? En juin. Quand est-ce? Ok, qui l'a fini? Au moins, on connaît qui l'a fini? En juillet. En juillet. Ok, ça a commencé. Non, vraiment, vous êtes niaise. Ça a commencé. Bah, je vais me répondre parce que je suis baronnée. Donc, je me suis cousu le bec. Oui. Mais ça a commencé le 13 ou bien le 14 juin. Et ça a fait. Juin? Bien, mais nous, 10 juin. Et ça va finir le 13 juillet. Eh ben, ok. Combien d'argent investi dans la Coupe du Monde? Oh, pile quoi, bon. Voilà, ok, donne approximativement un chiffre. Manifestation, non. Nous dépasser 2 milliards, oui, 1 milliard, mais moins que 20. Wow. 17 et 20. Un peu plus. 8 milliards. 8 milliards pour la Coupe du Monde. Même 10. Chanson officielle de la Coupe du Monde 2014. Le titre de la musique, de la chanson officielle. Qui est-ce qui chante? Ola, Ola. Ola, Ola, We Are One, exactement. Composée, coproduite par... Leite Laita. Non, c'est Pitbull. Claudia Laita. Non, c'est Pitbull. Non, c'est Pitbull qui fait, qui coproduit, qui fait. Par contre, il a été accompagné de et interprété par... Claudia Laita. Et puis... Jennifer Lopez. Et puis lui aussi, il participe là-dedans. Oui. Donc c'est ça. Tout va mal. Non. C'est pour ESPN et Géo. ESPN. Yeah. Oui. ESPN qui prend musique client. Qui a acheté le droit. Qui a acheté le droit, mais il n'a pas chanté. Ce n'est pas lui-même qui chante. Il traduit. Il chante aussi. Non, je veux dire, ce n'est pas JPI d'abord, c'est la chanson. Oui. Et puis, c'est la fille. La chanson a été transformée. Oui, non, un peu. Elle a été modifiée aussi. Surtout traduite. Mais dès qu'on l'entend, on voit que c'est olé olé. Mais il y a la partie de. Pas Jésus. De Chabat et puis de l'autre gars encore. Isolant qui n'est pas la donne. Oh, c'est dommage. Qui pas la donne. Mais n'oublie pas que s'il modifie ou remanie, donc ça presque pas dépendre de Jeff Perry encore. Non, mais s'il va bon, il a acheté, il n'a plus rien à dire. C'est très bon. C'est très bon que les Haïtiens jouent, you know. Tu parles portugais, non? Si, eu falo português. Oh, bate no Bahia. Vida sul, liga. Fanatic brasileiro. Para aprender a língua e tudo. Não, mas para ver. Já me saiu também quando você acha. Para ver. OK, continue, continue. On ira au Brésil, on rencontrera Neymar. Avec plaisir, c'est. On fera trois nuits avec lui, je te suis sûr qu'on connaîtra le portugais plus que toi, Myria. OK, on y va. En Haïti, Impact Coupe du Monde qu'a fait en Haïti. Est-ce que nous suivons du match? Oui. Oui. Et des joueurs courants. Et match. Ah, c'est à tes endroits que mon qui plaît. Bon, toujours gameplay. On va tout pour nous, on va gagner pour tout le monde. A toujours gameplay, moun sa yo ya ka télévision la ka l'autre monde qui gagne courant. Qui voisine qui les fenêtres ouvertes. Donc mais vraiment m'ta remet connait qui chaîne. Nous d'accord. Excuse-moi t'interrompre, c'est ça m'ta remet couper moun. Oui, allez. Sans qui ouais. Est-ce que nous d'accord avec est-ce que nous d'accord avec le fait que une grande tendance que moi pour mettre Neymar ou bien Neymar en face Neymar. En face Messi.
En qualité de en quoi? Quoi? Dans quel sens? C'est bon de m'appeler parce que je ne me connais pas. En tant que grand joueur? Grand joueur, ah bon, comme si le calibre. Bon, il y a fait Neymar en fleurs, c'est bon. Qui est-ce qui est brésilien? Moi-même, je suis. Non, Neymar et de Messi, c'est qui est-ce? Neymar, c'est brésilien. Ah, mais non, c'est argentin. Il n'y a pas qu'à mettre au sol. Neymar et de Messi. Neymar et de Messi. C'est vrai? Oui, c'est brésilien. Je parle en pile depuis quelques années. Et puis d'ailleurs, Messi n'est pas même classé dans les top 25. C'est le filet à défiler sous. Est-ce que nous connaissons? C'est ça, moi-même, c'est ça. Ça m'avait sous terre. Donne-moi. Est-ce que nous connaissons que septembre fait un chanter pour Coupe du Monde? Non? Oui. Septembre? Nous t'entendez? Non. Ou elle? Ou elle? Ah, ouais, c'est ça. J'ai aucune idée. Coupe du Monde, la douce. Oh, c'est ça? Non. Je vais lire ou pas la donne, notre douce pour douce. Ok. Nous te connaissons que pour nous avoir un droit aux transmissions fort et Haïti t'est payé? Pour Haïti, tu as payé 2 millions pour les droits. Et finalement, la retransmission est faite en Haïti. Et est-ce que nous connaissons que Maradona, qui est un ancien joueur football argentin, il a protesté contre ça. Ce n'est pas les Brésiliens qui ont protesté, en tout cas. Et puis, qu'est-ce que ça a résolu ton problème? Oui, finalement. Ouais. On a payé quand même. Vous êtes là, vous avez payé. Hein? Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Pour Coupe du Monde, je pense que nous presque finavons. La seule chose, c'est que nous avons nous faire des comptes top 10 garçons et footballeurs qui, parmi 32 pays qui jouent, qui sont joués, qui est-ce qui est le plus bel garçon? Okay. Ah, c'est ma mode fait classement. Je vais commencer avec Gérard Piqué. C'est lui le mari de Shakira. Le mari de Shakira. Et puis, il a tête. Un an, ou plus bel garçon, bien campé, chôme ravageur. Piqué devant. Mmh. On va te poser, comment c'est parlé si c'est l'équipe top 1? Non, mais c'est l'équipe top 1, donc on commence par dire. C'est autant de points par 10e, non? Pour arriver sous 1. Non, c'est pas grave, moi qui fait. On continue, j'aime plus vite. Merci. J'ai pas aimé mon coupé ni interrompre. Donc, deuxième, non, pour moi. Parfaitement, film, c'est. C'est qui est-ce? C'est Claudio Marchisio. Je ne connais pas. Il est un Italien, ça veut dire qu'il est doux, il est gentil. Il fait bien la pizza. Et puis il fait bien la pizza. Next. Et les autres choses. Numéro 3, s'il vous plaît, c'est Olivier Giroud. Il est français. Avec ce nom. Il a une gueule d'ange. Est-ce qu'il y a un noir dans ça? Un sourire angélique. Est-ce qu'il y a un noir? C'est moi. Dans Disney, est-ce qu'il y a un noir là-dedans? Bon, pas à ma connaissance, non. C'était un top. Ça veut dire, et Messi, mon cap est derrière moi pour Messi, ou Messi la donne? Messi est noir. Messi pas foutu la donne, Messi tellement court, Messi tellement chétif. Il est chétif, il est court, tu sais. C'est... Messi son petit raciste. Je continue. Messi est malade. Non, il pas dans le top 10, il va dans le top 25. Ni dans le top 150. Top 10, là, on peut comprendre. Ni dans le top 150. Andrea, Pirlo, encore un Italien. Est-ce que Neymar est là? Évidemment, Neymar est là. C'est une série de questions. Mais elle n'est pas belle, elle n'est pas vraiment belle. Mais c'est sexy. Oh, Messi, t'es sexy, il t'a plu, Amélia. Qui t'aime fin de top 1. Est-ce que Jean-Messi a marché? Est-ce que Jean-Messi a marché sous terrain? Messi coûte les bon assises pour shooter goal, pas de problème. Mais il marche deux pieds collés, ça veut dire que tu n'as pas gagné un jambe ni. Pas gagné quel fou. Merci de la shooter, pas troisième pied, l'a shooté. C'est quoi l'affaire? Ok. Tu n'as parlé de bel garçon là. De belle fille, tu n'as parlé de goal. Je continue. Comprends-nous. Andrea Pirlo, son Italien, il a 35 ans, il mesure 1m77. Parlez de nègre, même j'avais, ça veut dire même hauteur, avec bagaille fait facilement. On continue. Ouais, sous carbone, tout le monde a même hauteur. Non, mais pour de vrai là. Pour de vrai là. Ok. Matt Hummels, je ne sais pas si on sait prononcer, mais. Ouais, galine, non, nègre. Ouais, c'est pas ça qui est intéressé, c'est pas non qui est intéressé, c'est ça le café. Le conseil passé, mesdames, t'as une voix, j'ai envie de qu'est-ce qui est 10e nègre là? Finalement, Messi pas là du tout. Dixième nègre, c'est Cristiano Ronaldo. Comment Cristiano Ronaldo, portugais, nous tous connaissons. Oh, c'est vrai, il est là-dedans? Cristiano? Oui. Mais il y a deux questions pas posées, c'est évidemment son corps d'athlète parfaitement dessiné, nous comprenons? C'est puis la chose. Bon bagaille. Victor Ibalbo, Jesus Navas, et puis Neymar du Brésil. Tout monsieur, ça fait partie de
top 25, mais nous sélectionner 10 pour nous, 10 plus belles garçons qui sont en forme, qui sont bien campés sous terrain, qui courent des ballons puis bien et puis qui transpirent puis bien. C'est plus sexy le maillot à coller sur vous. Voilà. OK. Voilà, c'était que nous baillons Ange Bélier, on tire de l'eau pour qu'on fasse un petit tempéré là. Et nous avons dit téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent nous que pas virer chaîne, nous avons tourné tout de suite Café du Soir, chaîne 22. À tout à l'heure. Nous étions de retour après pause là, nous suivons Café du Soir sur chaîne 22, émission Paulin. Pas vrai, Myria? Nous parlons de gens plus sérieux, Kounian, parce que et la semaine dernière, il y a eu les funérailles. De feu. Et Leslie le François. Je n'ai pas besoin de tout ça. Le feu Leslie Maniga et Myria. Et je pense que Myria a un choix pour nous. Leslie, c'est Rock François Maniga. Oh bon. Qui est décédé à l'âge de 83 ans. Mm. Et ses funérailles ont été chantées le week-end dernier. Et Leslie François Maniga était un professeur illustre, c'est ça, éminent. Et il a enseigné à la Sorbonne. Ce n'est pas rien. Oui. Et bon, il a enseigné dans plusieurs autres universités, dans l'université John Hopkins à Baltimore aux États-Unis, l'Institut d'études politiques de Paris, l'Université des Indes occidentales à Trinité-Tobago, etc. Et il a été président d'Haïti, et même pour un laps. Pour 6 mois, 3 mois. Pas tout ça, 7 février 88 au 20 juin 88. Février, mars, avril, mai, juin. 4 mois. Mais juin, j'ai dit juin. Oui, ça fait 5 mois, 4 mois. Okay. C'est ça. Donc, c'était ça, et le professeur Maniga, et il a fondé le parti RDNP, Rassemblement des démocrates. National Progressiste. Et voilà. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que si Maniga était resté plus longtemps à la présidence, est-ce que cela aurait changé quelque chose en Haïti? Est-ce que ça aurait été une bonne chose pour le pays? Et c'est la question qu'on se pose. Moi, je vais répondre à ça. J'étais trop petite lorsqu'il était monté président. Okay. Donc, je profite de l'occasion pour présenter mes sympathies. Et tu peux pas le faire, singulier. Nous profitons de l'occasion, nous profitons, nous sommes une équipe. Merci, je présente mes sympathies à Mme Maniga, que je connais personnellement. Nous présentons Mme Maniga, nos sympathies. Merci Cynthia, Mme Maniga que je connais. Donc vraiment, je suppose que la nouvelle a été assez choquante, frappante pour tout le monde. Et l'équipe de Café du Soir présente ses sympathies, ses regrets. Et à toute la famille, etc. Et je crois que le pays a perdu un grand homme. Mais c'est dommage que c'est quand c'est à sa mort qu'on se rend compte que c'était un grand homme. Non, c'est pas à sa mort. Il a été honoré. Et quand ça? Oh, et tu n'as qu'à lire le Nouvelliste, tu n'as qu'à chercher. Et les Simanega, tu vas voir. Il a été honoré, il a reçu des je ne sais plus comment on appelle, des distinctions. Merci, ma chérie. Et non, c'est pas le genre de personne qu'on honore à sa mort. Non, sûrement pas. Et puis, il a toujours été une figure de proue aussi. Que c'est pour la politique, que c'est dans l'enseignement, que c'est dans les affaires politiques aussi, parce qu'il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Oui. Donc, c'est une figure emblématique et qu'on ne peut pas oublier. Donc, il était toujours fait poil, il était toujours un poil dans la société. Oui. Hein. Oui. Et jusqu'à présent, jusqu'à sa mort. C'est sûr. Non, il a été honoré. Je te rassure. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. En tout cas, encore l'équipe du Café du Soir et présente ses sympathies à la famille Maniga. Et quand même un grand homme, mais aussi une grande femme, Madame Maniga. Et j'espère que beaucoup de jeunes pourront tirer exemple. Yes. Voilà. Donc, nous passons immédiatement à un autre sujet avec Diana, qui va nous parler des célébrités. Je pense que Beyoncé commencer à faire la une là, moi je crois que le détrôner même Oprah Winfrey. Il continue à faire la une, d'après préféré dire ça parce que bon, et Beyoncé n'est pas née de la dernière école. Beyoncé son monde depuis 16 ans avec Destiny's Child qui vraiment font un parcours parce que qui gagne des petits bagages tout minimes que nous avons reproché, mais en gros elle a eu une carrière fulgurante, je peux dire. Et dernièrement justement, et magazine Forbes mettait Beyoncé dans tête
classement que vous toujours fait généralement pour 100 personnalités qui sont plus puissantes. Donc, tu as bien dit, elle a détrôné Oprah et Beyoncé Vini, numéro 1 dans le classement ça dernièrement. Et à 32 ans. Monde, à 32 ans. Hein, et il y a plein de monde qui dit que c'est combinaison du fait que n'est pas seulement une chanteuse, ils sont actrices et ils sont entrepreneurs. Bon, actrice, point d'interrogation. Bon, okay. Il fait apparition entrepreneur, oui. De des films, etc. Et puis, lui-même détrôné Maril, évidemment, Jay-Z, c'est numéro 1. Donc, ah, ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jay-Z était dans Forbes, tout, c'est vrai. Il est dans le classement, ça. C'est vrai. Combien lié, à combien lié lui-même, Jay-Z? 6e, 7e. Et fanatique, Miami Heat, tu es content parce que le monde qui vient dans numéro 2, c'est le bon James. Oh. King James. Et il y a un pilote Montou qui est dans l'Islam, il y a Oprah Winfrey, justement, il y a Jay-Z, il y a Ellen DeGeneres. Mm-hmm. Et qui sont des gens qui connaissent tout le passé, les États-Unis, tout le problème, que le fait qu'il était campé, il dit oui, yes, I'm gay, dans l'édition Times Magazine. Mais c'est vraiment des gens qui regardent, ouais, c'est des gens qui. Que yo lesbienne, que yo gay, que yo pas lesbienne, bagad, ça va oui, intéresser. Ça va intéresser pièce. Le travail que y a fait vraiment, par exemple, au monde qui a regardé show The Ellen DeGeneres show, chaque jour Ellen font monde content, un monde qui t'a prié, oui. Il fait le grill pas obligé bal corps, bien dans son physique, bien mais bon côté humain et c'est ça que m'apprécier et la Kylie Kayo Oprah Winfrey tout qui mes amis passé les présentations. Beaucoup de social, il font pile social, il font pile social. Social. Donc, vraiment, combinaison. Beyoncé fait social, oui, il pas fait en pile. Alors, j'aime dire, là, ils font combinaison qui mène dans première place. Bah, mais on a habitué à dire la social. Mais classification Forbes, non, pas pour social, non. Classification Forbes, c'est plus pour la partie économique. C'est voilà. Pour la partie économique. Côté nous, il y a un passif. Bon, moi, franchement, j'ai 33 ans, je ne vais pas me rêver. Je ne vais pas me former. Je ne suis pas dans l'ISLA là et je crois que je ne vais pas me tromper, mais je m'attendais extra l'autre jour où il y a un monde qui attire l'attention. Je crois que je ne suis pas dans l'ISLA, c'est Madonna. Je m'a dit ça sous toute réserve, justement, je vais vérifier. Mais dans le prochain café du soir, je vais rectifier si c'est une faute. Mais sinon, si son bail est vérifié, je crois que Madonna n'est pas dans. Qui est équivalent en Haïti? Non, mais c'est bien gardé la première liste. Qui est équivalent en Haïti? Ticket! Ticket, magasin! Mais c'est bien gardé la liste là pour moi, je suis caché. Oh, mais si c'est ticket, chérie, voilà. Moi, c'est nous là tout. Moi, c'est nous là qui placez encore. Moi, c'est nous là tout. Top 5. Fom, chérie, nous avons ticket nous ici. Top 5. Fait divers, on a passé à l'autre sujet. Fait divers, dans Nord-Est Indiana, on a mon jeune mère qui prend 24 ans de prison parce que elle a vendu sa fille de 4 mois à un monsieur pour $500 pour monsieur qui a fait prostitution infantile avec. Oh, on tient 4 mois, Cynthia. 4 mois et le monsieur a été arrêté. 24 ans, condamné de prison. On a condamné la mère que pour 24 ans, wow. Alors que monsieur ça a condamné pour la vie. Oui, condamné à vie. 24 ans, elle, là, et pendant un c'est... an, monsieur a été arrêté. Oh. Alors, petit petit ça, a été arrêté 4 mois. Un an, non, mais monsieur, oui. 4 mois. Violé à plusieurs reprises. On dit mon 4 mois, Cynthia? 4 mois. Oh, 4 mois. Donc, ça quand même, il n'y a pas de nouvelles de Timoun. On garde quand même tweets, certains là. Détails de la vie privée quand ça arrive. Tu vois, ce n'est pas vraiment intéressant. Wow. Mais 24 ans de prison, c'est peu pour elle. Là. Non, et puis $500 aussi. Hein. $500. Non, mais est-ce que vous avez fait une analyse pour qu'on ait pour lui, pour qu'on ait s'il fout? Parce que je crois que c'est folle. Non, il n'est pas folle. S'il fout, il n'est pas la conne comme. Craquer toute bagarre. Il ne faut pas besoin de corps, après ça. Mais quand même, il y a un dérèglement quelque part. On ne vend pas son enfant, point boule. Et puis, même l'idée de penser, c'est. On va pas bon. En tout cas, je pense que j'en t'ai annoncé dans le début de l'émission. Invité spécial, nous, là. Et la venue sous peu, et me connaît que nous sommes extrêmement contents pour nous recevoir. C'est la première fois. Là, il y a preuve. nous tout les gens n'ont parlé d'homosexualité bah, je me dis rien tout le monde là nous dit ah nous pas aucun problème avec ça parce que ça même quand petit dans la ganache reste cherche comme ça à regarder. OK c'est quatre ça commentaires. En tout cas pas de commentaire hein merci. Donc nous recevoir mais il y a gon balé qu'on est moi quand je parle on fin parler et puis là on va parler m'a aimer le même parler mais comme ça pour mon la parole bon. Donc, ceci étant dit, une précision sur le petit. OK, donc n'a tourné avec invité nous que n'a content recevoir tout à l'heure. Donc n'a suivre café du soir sur chaîne 22. Parlez.
Alors bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous tournons, nous avons gardé chaîne 22, nous sous chaîne 22, nous avons gardé Café du Soir. Je ne dis pas, avant de quitter nous, on va recevoir aujourd'hui une invitée spéciale, Maude Jacquet. C'est la première fois qu'elle vient à la télé, c'est la première fois aussi qu'on va la connaître, et c'est la femme de l'artiste internationalement reconnu Bello. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, on accueille Maude Jacquet. Bonsoir, Maude. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir. Nous comptons vous. Nous tous. Oui, c'est ça, nous parlons de là. Nous parlons français. Non, Maude parle bon créole. Oui, il parle bon créole. Alors, Maude, bonsoir. Bonsoir. Je suis français. Ouais, depuis nous, ouais, blanc, tout le monde excité. Donc, Maude. Elle est pas vraie, elle est blanche. Elle est comme ça. Maude. Elle est pas vraie, elle est belle. Pas qu'il y a d'autres monde qui est mieux placé pour parler de Bello que Maude. Voilà. Donc, si ou t'as gagné pour parler de. Alors, avant de venir sous Bello, d'abord, qui j'en fait venir à Haïti, qui j'en fait rencontrer déjà, et puis qui j'en senti ou dans la vie commune avec un artiste tel que Bello. Ok, alors moi vin en Haïti ça gagne 10 ans. Moi pas vin en capitale là d'abord, j'étais allé en province. C'est 11 amis qui ont fondation ici là, qui ont l'école avec une bibliothèque, qui marié avec un haïtien, sont belges liés et ils ont besoin de monde qui pouvait travailler avec eux pendant une année. Donc c'est ça que fait me retrouver en Haïti, j'étais fait diplômé et j'étais besoin parti. Me pas connait qui côté et puis Haïti vient joindre moi. Tout fait mal être moins mal. Le bout de l'aventure. Wow. Oui, c'était 2 semaines avant mal. Vraiment, c'était exactement. Et puis où tout vini pour vont aller puis où tout rencontrer Bello. Oh non, on fait peut-être 2 ans. C'est ça qui est intéressant. On fait 2 ans en pays avant de venir rencontrer Bello. Dans quelle province vous êtes? Justement, dans quelle province? Nous sommes à Jérémy d'abord. Et ça, nous sommes loin pour dire pour Bello. Et puis. Il est caché dans la chambre, vous êtes plutôt. C'est dans un petit village qui est le Corail, qui est en face Ilka et Mitio. Et puis après ça, je suis allé au Cap, je me suis changé complètement. Et puis c'est dans le Cap que je viens rencontrer Bello. Et puis Bagan a fait clic-clac. C'est ça que tu fais, mon Cap, regarde. Clic-clac, alors amicalement parlant, oui. Okay. Humainement parlant, oui. Et puis après ça, je viens de l'amour, mais dans un premier temps, c'était amitié et puis côté humain. Donc voilà. Non, moi parce que c'est pour montrer au public là, gens que vraiment les capter attention nous. Moi-même j'avais plein d'idées préconçues. Je ne connaissais pas d'abord la femme de Bello, jamais, j'étais voir de face. J'étais connais par contre que c'était une étrangère. Et puis beaucoup de suppositions, beaucoup de paroles. C'est comme ça que parce que non, faut qu'on connaît que Bello c'est artiste pas nous. Pour les toutes les femmes haïtiennes qui sont là, pourquoi elle a été prendre une belge? Non mais c'est tout le monde dit. Mais c'est parce qu'on t'a pas connu, parce que t'as plus de chance, c'est fini pour toi. Mais la fille a un grand père sur moi. Mais c'est fini pour moi. Mais une fois qu'on connaît la femme de Bello, on comprend pourquoi elle est tombée en amour avec elle, et vraiment ça c'est compliment. Donc madame Jacquet, question toute simple. Si vous acceptez déjà, combien de timoun qu'on gagne? Moi j'ai 2 timoun. Avec Bello? Avec Bello. On t'y fille, on t'y garçon? Oui. On t'y fille qui gagne 10 mois, on t'y garçon qui prend 5 ans. 10 mois? Intéressant oui. Ça. Mais oui. Non, c'est bien, c'est ça bien. Ça me fait dire nous, c'est que ça fait 7 ans que je connais Bello, je ne suis jamais dans les médias. Sauf pour la conférence que tu as fait pour le mariage nous. Parce que la presse a demandé ça, nous te comprendre ça. Sinon, moi-même, c'est pas. J'ai toujours été dans l'ombre. Dans l'ombre. Je ne suis pas habituée à venir devant la caméra. Et donc, vous, bah, café du soir, primeur, voilà. Là. Si je viens à ce soir, je pense que c'est parce que je me sens mal à l'aise. Ah, donc, non, j'ai l'impression que nous avons tout engagé au bout pour qu'on ait. Vous connaissez que nous pas faire du tout. Nous, voilà, comme ça. Pas faire. Et puis, nous, c'est femme, même j'avoue, donc, on comprend tout le bagage. Donc, je pense que nous ouvert pour tout ça, nous besoin poser comme question. Moi, même première question m'a posé, est-ce que Bello ronfle? Non, méchant. C'est pour question, hein? Ah, ok, on va te poser. C'est pas, il va ronfler, il va demander. On va dire, ok. On va commencer par ça. On va prendre plus bas, on va aller. Non,
Yes, bon, mesdames, je ne voulais pas répondre à la question. Ça, mais non, tout ça, nous besoin de connaître sous femme qui derrière nomme ça. C'est ça, nous besoin de connaître. Mia. Moi, je voulais connaître deux choses, moi. Allez-y. Mais est-ce qu'on dormit toute nuit? Parce que s'il a ronflé. Mon sommeil est léger. Mon sommeil qui est très léger. Je n'ai pas les oreilles, les oreilles qui. Hyper sensibles. Je n'ai pas les toutes les bruits qui sont dans la cour. Même question, Pam. Mais elle n'a pas répondu. Est-ce que oui ou non, il ronfle? Non, je sais que j'ai donc il va attendre. C'est ça le saut là, oui. En tant qu'homme qui a passé la trentaine, un homme qui passe 30 ans, qui est fatigué. Oui. Mais ça ne va pas faire dormir. Bon, quand on va être coup de coude. Tu vois une femme derrière le nom. Quand tu vires sous côté, va être sous dôme, quand on fait ça. Ok, ma question, à part le fait de ronfler au lit, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il fait bien l'amour au vélo? Bien sûr. Wow. Qu'est-ce que tu crois? Elle n'aurait pas répondu. Tu n'as pas l'âge de l'avoir. Pourquoi est-ce qu'il pose des questions? Parce que c'est question, mes amis. Elle a dit bien sûr, automatiquement. Que des mots. Et bon, je suis que j'ai un pile fille peut-être qui a pensé à ça et c'est peut-être le premier bagage qui a venu et le monde a sorti avec un artiste dans les deux sens. Que c'est une fille qui m'a eu avec un artiste garçon ou bien un garçon qui m'a eu avec un artiste fille. Est-ce que ou jalouse? Définis jalousie à vous. Jalousie dans le sens que et si vous voilà, parlé avec un monde dans le téléphone. Ange béni. Ou voulez et gagner, ou peut-être sentir que l'on a obligation, qu'on t'a dit, c'est pas Harry Luc par exemple qui s'est manager, mais c'est tel l'autre monde. Non, on va faire ça parce que il fait journée dans le téléphone, donc comme t'as fait journée à veiller, ça l'a dit dans le téléphone et moun n'a pas la veille, bon. Bon, de toute façon, ça joue si le téléphone ne marche pas bien, donc on remplit ça sous tes jalouses pour pas avoir aucun problème. Et puis, jalousie, moi, c'est quoi que jalousie fait femme n'a plus du tort que qu'autre chose. Merci, putain. Si vous voulez bien en tête ou si vous voulez bien en choix que vous faites, il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est ça. Moi-même, je voulais heureuse, donc je choisis pas prêter attention aux séries de bagailles quand l'autre femme est capable de prêter attention à ça. Et vous pas en danger tout. Je pas senti en danger. Non, mais gros bagaille. Bon, on va rentrer au bagaille. Que n'est-ce pas sérieux que le passé sérieux? Bon, il faut qu'on rentre dans la définition, etc. Mais que n'est-ce pas sérieux, que n'est-ce pas prendre forme, que n'est-ce pas prendre forme? Ça, comme toujours dit, mesdames, yo. Je ne sais pas si je suis changé comme pas féministe encore. Et puis, bon, je ne suis pas féministe, je suis activiste. Je dis toujours que je ne peux pas oublier. L'homme marié avec un homme, que c'est moi ou que c'est madame. Jusqu'à présent, la société est une société monogame. Oui. Ok? Oui. Ça veut dire que. Là, officiellement. Ça me dit, jusqu'à présent, je parle de société. Donc, là, n'est-ce pas madame, n'est-ce pas que tu es là pour matin, midi, soir, je vous garantis. Si un événement. Officiel et les besoins font belle apparition, c'est pour le temps à la fois les grands pilchants sur le deal par la monde. Je pense qu'en Haïti, nous avons une chance en tant que femme d'artiste ou bien homme d'artiste, c'est que pas un phénomène paparazzi. Donc, même gens, c'est vrai que les mal dans le restaurant, les mal dans la plage, toujours beaucoup de gens qui viennent parler, la photos, etc. Mais nous pas un monde qui vient cacher, qui vient empêcher ça. Quand tout le monde moi, jusqu'à présent, la presse me remercie ça, ils ont respecté l'intimité du monde moi. Donc, je ne peux pas plaindre, sincèrement. Super. Point de vue activité vélo et les lapoules sous scène, il y a des prestations, dernièrement, elle est partie. Est-ce que vous êtes toujours présente pour lui, même si vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes content et cheminement vélo dans la carrière? Est-ce que nous pas jamais avoir des petites confrontations, des petits échanges qui pas trop gentil concernant et gens carrière qui a évolué tout? Est-ce que ou même ou épauler Bello à 100% pour lui n'est que nous journée aujourd'hui en sous écran? Si c'est pour partir l'autre boyo, malheureusement pas caler chaque fois avec elle parce que ma travaille tout donc et puis, il y a les enfants qui sont là maintenant. Si c'est pour évolution carrière lui, moi féliciter Marim parce que je me rencontre le monde que me rencontre a moi même t'ai rencontré personnellement et moi que lui offre moun ça pour tout public là. Donc ça potentiel que li te gagne, l'aime te rencontré là vraiment li presque la cheminer vers ça comme t'es ouais. Bien sûr que nous gagne des petits problèmes, mais si ka pour exemple, par exemple anniversaire mariage nous te gagne 50 mariage, li te Paris. Donc c'est pas jamais mon bail qui a dit oh oui, ça fait un plaisir que Paris. Facile, bon, pour ka comprendre et moun que vous mariez avec là, donc on a dit bon
chérie, je regrette que nous ne soyons pas ensemble, mais je comprends la décision pas, et c'était une décision pas maintenant, parce que sinon, on ne peut pas marier avec un artiste. Seul ça nous fait, nous choisir, célébrer en notre l'air. Haïti n'est pas un pays facile. Mais comment moi Haïti? Moi Haïti, il y a des jours où je viens de l'enfer, et il y a des jours où je viens de paradis. Et l'autre bord, où je viens de purgatoire tout le temps. Oui, c'est vrai qu'il y a des jours où je ne me sens pas bien dans le pays, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de la caille moins. Mais il y a des jours où on joue ici là que pas qu'à expliquer. Non. Et oui, là, yo, les madame Melo dans la rue connait. Yo connait. Ça vient faciliter ça. Il okay. Vraiment aider gérer relation ça yo. Si c'est pour racisme ou abjoine. OK. Et dans le même sens là pour Haïti, mais comment intégration Melo fait non, parmi la communauté belge, pas oui, famille, la famille. Bon, ça c'est lui qui t'a qu'à répondre, mais. Oui. Ou même pas. Est-ce qu'on a des appréhensions ou même? Non, pas du tout. Même penser avant de répondre, comme nous parlions en pile temps avant de passer à posant, et il faudrait quand même qu'on voit. Pour pas parler encore. Il faudrait quand même qu'on voit l'homme. L'homme qui a cette femme derrière lui. Alors, on a demandé Bello pour lui monter. Et monsieur, ah oui, pour lui monter. Et vient accompagner madame non madame non et puis dit que ka ouais le couple qui là, ensemble qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui madame non pas d'accord, déjà on te dit bonjour. Bonsoir. Alors bonsoir. Nous dans café du soir. Nous dans café du soir sur chaîne 22. Bonsoir et vraiment nous disons merci parce que ou t'es qu'à refuser. Nous t'es toujours refusé en fait. C'est première fois que d'accord. Wow. Belo aime panel là. C'est le panel qu'il aime. Il a certaines panélistes. Oui. Donc en tout cas vraiment merci et puis moi personnellement par contre si mesdames c'est même bagalan mais elle a fait un grand impact sur moi ta femme et elle a changé la première fois. Cynthia, on était au parking ensemble premier impact il fait me dit qu'elle j'aime ce qu'elle porte cette femme là oui la Seigneur j'ai dit Cynthia regarde et puis je regarde la blouse. Les trucs de vêtements là, c'est mon affaire. Là. Donc il faut que nous coupions. Un mot avant de nous couper pour passer à pause là. Eh bien, après un petit moment après pause là. Un petit moment après pause là. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous tournons, nous sommes sur chaîne 22, nous suivons Café du Soir. Émission ça, c'est seul sur Radio Caraïbe qu'on a besoin. Toutes mesdames là, nous commençons à nous frette. Toutes mesdames yon douces. Toutes mesdames yon douces. Toutes yon douces là. Faut que nous disions qu'on est sur la terrasse, l'une des terrasses de l'hôtel Ibolélé. Voilà. Regardez, douces. Presque à faire le Sius là. Ok, donc avant de nous fermer l'émission, alors parce que nous allons clôturer, faut que nous disions ça. Bello est là. Faut que nous disions merci pour ça. Et moi, déjà qu'elle a sa femme, nous disons merci tout. Mais nous avons 4, 5 questions, 8 questions que nous pouvons poser pour nous connaître. Est-ce que mesdames, qui fanatiques Bello, connaissent Bello? On y va. Nous avons plus de temps pour ça. Le nom de la commune dont il est originaire. Quoi des bouquets? On n'a pas le deal. Est-ce que c'est ta mode, c'est ça? C'est quoi des bouquets? C'est quoi des bouquets? 1. L'âge de Bello. Il a laissé la trentaine. 34. Oui, 34. Oh! On va se faire point non là ou même? Même pas gâché? Non, pas gâché. Les titres. Oh, ça dure comme question, chef plateau. Chef plateau, tu es. Les titres de ces albums. La coup tranquille. M'amuse est un homme. Jana. La coup tranquille, référence. Haïti debout. Mm-hmm. Haïti debout. Parce que même pas gagné faire. Et le dernier, le dernier. Même on a mis précision sous nous là. Référence tombe tout.
Jasmine. Bon, c'est nous ton paquet. Jasmine. Jasmine. Ah, natif natal. Ah, c'est bien. Natif natal. Ok, personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Ok, donc Jasmine, c'est une musique, c'est pas un album. Ok, d'accord. L'année de son prix RFI. Découverte. 2006. Oui. Oh, ça fait combien? 2-1? 2-1, 2-1, 2-1. Le nom du style. Mais il n'y a pas La Dunga. Même. La Dunga. On va même temps une question. Le nom du style. Le nom du style qu'il a créé avec son premier album. C'est quoi la Ganga? Raganga. Raganga. La réponse à ta question. Raganga. C'est quoi? Raganga. Oh, mon femme, non, mon tout le monde. Ok. Mon patron, on a une question. Que ce bagage qui joue ça. Ah oui, non, Johnny. Oui, ça fait 2-2. Ça fait 2-2. Le nom de Johnny 2, je peux dire. Le nom des trois femmes de trois ouh, moi pas fait jalousie la net. Le nom de trois femmes qu'il chante dans cet album. Jasmine. Jasmine, Claudette et Maud. Non, et Douam. Et qui le va faire Maud là? Eh bien, Douam, c'est Maud. Oh. Ah, non, c'est... Oui. Douam, ok, ok. Bon, ok, nous ratons ça. Il rate ça. Lui-même, il chita là, il a fait contrôler. Aucune réponse ou pas jouer. Prénom. Ah là, je me suis envie, mais il faut dire ça. Qui réponse les prénoms. Pas quiz, non, c'est quiz. Écoutez. Prénom de son fils et prénom de sa fille. Néo et Nel. Mais là, c'est ça, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Maud, il faut que vous posiez toutes questions, oui? Ça passe pas. Non, pas ça pas simple. Un titre. J'ai une David, un petit café matin. Un titre. Un titre qu'il a promis de mettre sur tous ses albums, ce qu'il n'a pas fait, soit dit en passant. I drink beans. Oui, il va aller poire. Ouh. Et vous-même. Pas ça, c'est chef plateau qui vient avec. Je ne sais pas si je vais pas connaître. Je ne sais pas si je vais nous prendre. Et même Bélo qui a répondu à une question. Bélo, tu avais promis à tes fans un titre, c'est ça? Que tu n'as un album? Non, un titre. Et que tu n'as jamais fait? Oui, je sais pas. Non, en fait, je crois que chef plateau est capable de dire si c'est ça. Je crois que l'homme sorti La Coupe Tranquille et Histoire Drôle sur le deuxième album, il y a des gens qui ne comprennent pas les marches. Qui t'a dit, mais pour qui ça Histoire Drôle encore? Pour qui ça La Coupe Tranquille encore? Alors que l'orchestration était différente. Et il y en a, c'est ce que moi, pile qui c'est Bob Marley, il était fait ça. Il y a des musiques qu'il a fait, ils font un hit national avec elle. Lequel vient une audience internationale, il reprend musique. Même si de musique à No Woman, No Cry, etc. Donc, moi, j'étais dans l'autre phase de ma carrière, mais je me dis, s'il faut que je mette musique ça sur chaque album que je fais, si le capote est sale pour moi, je vais faire. Donc, si chef plateau est capable de dire, si j'ai une bonne mémoire, mais c'est la foutre qui est. Est-ce que ça rend chef plateau tranquille? Mais Jasmine, tu dois faire Jasmine aussi internationalement. Non, mais Jasmine, il faut faire tout. Je t'aime, Jasmine. Oui, Jasmine, non, bon. Jasmine, non, bon. En tout cas. Je vais les capter, c'est sous les. En tout cas. Je ne vais pas dire, mais je ne vais pas dire ça du tout. Ok. Oui, jalousie. Ok. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est comme ça que nous avons un bout dans l'émission ça, Café du soir. Et on se retrouve, pas nous, on a très froid ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, très important pour nous remercier tout staff technique qui derrière l'émission ça, à la production, à la réalisation. Nous parlons d'Andy Tiber, nous parlons de Bernard Silias, le chef de plateau, Carcandio Foster, les caméramans. Et puis, on remercie nos invités aussi. On remercie notre maquilleur, le meilleur en Haïti, Magicadou. Pas de deux temps cool. Ok? Et on remercie. Et il fait une vidéo? Non. Pas de deux temps cool. Et on remercie aussi les responsables de l'hôtel Ibolélé qui nous ont cédé cette belle terrasse. Donc, encore une fois, nous disons merci et nous prenons rendez-vous. Pour la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Et ça vous êtes un homme. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.